C'est bon, de retour. Viens avec nous, retour. YouTube, salut. J'espère que tu vas bien. On a dû relancer le live, il y a eu un plantage. Mais après le plantage, Izumi nous a fait un petit raid. Izumi, gros cœur sur toi. Donc, rapidement, on est dans le live dessin. On a fait le premier thème. 20 minutes pour dessiner un Pokémon au choix. Maintenant, on a fait un sondage dans le chat. On va avoir 20 minutes pour dessiner un monstre au choix. Un monstre ou une créature. À vous de voir comment vous voulez. Hop. Créature imaginaire ou... d'ailleurs, je vais l'enregistrer. Créature imaginaire ou créature existante. Moi, je choisis de faire... Hop. Je choisis de faire une reine alien. Donc, autant vous dire que c'est difficile. Regardez les détails en dessous du chat. Je vais faire ça. On va lancer le chrono. Je dirai le chat, mais que d'un œil. Moi, je vais me dépêcher. Ça va être un croquis. Il n'y aura pas beaucoup de détails. Du moins, pas au début. Voilà. Vous avez vu la gueule que ça a. Ça va être du vite fait, mais bien fait. Hein. Montre-moi ton talent de dessinateur. Ah, mais déjà, attends. Filoutri, tu penses quoi de ça? Ça, j'ai fait en 5 minutes. Et ça, en 20 minutes. Après, tu connais pas ce Dialga, mais... Écœur Artium. J'espère que mes lasagnes seront sages. Mais je pense... Elles sont timides, tes lasagnes. Hein. Elles m'ont l'air timides. Hein. Hop. Est-ce que vous êtes prêts, tous ceux qui dessinent avec moi? Et oui, 20 minutes, 20 minutes, pas une de plus. Il est déjà 21h30, dans 2 heures, on coupe le live. Ça va, ça nous laisse le temps. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Ceux qui dessinent avec moi? J'espère que j'ai pu vous faire confiance et que vous n'avez pas commencé le dessin sans moi, hein, parce que c'est pas du jeu. Hein. On dessine un monstre. Xenesis, le thème, c'est monstre ou créature, existante ou imaginaire. Les amis, je lance... Le chrono, dans... c'est pas de mon niveau, ça, j'ai dessiné au maximum une maison. Je peux faire une maison avec des yeux, ça ferait une créature. C'est pas une blague. Vous pouvez prendre n'importe quel objet, mettre des yeux et une bouche, c'est une créature. Et c'est le thème de maintenant. Moi, je fais un vrai monstre, mais c'est comme vous voulez. Hop, c'est parti, le chrono s'affiche maintenant à l'écran à gauche, normalement. C'est parti. Ah, je suis dans la merde. Alors, on va essayer de la faire au complet ce coup-ci. Dialga, on avait fait que la tête. Là, je voudrais faire tout le truc. J'ai aucune idée de par où commencer. J'ai aucune idée, donc on va faire des... Je vous le dis, ça va pas être détaillé, hein, d'accord? Ça va être du grossier. Donc on va faire des choses pour commencer, bêtement. D'ailleurs, ouais, je vais pas faire des traits très, très forts au début, donc la caméra va bugger, d'accord? C'est normal. Elle va être floue au début, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de dessins, et puis elle fera plus le flou, d'accord? Je commence par un bras. Ok. S'il y aura la main, je vais pas la faire maintenant. Le torse, il viendrait un peu ici. Les détails vont s'ajouter... Ah non, il vient... il vient là. Les détails vont s'ajouter au fur et à mesure, évidemment. C'est un dessin compliqué que j'entreprends là maintenant. Donc là, je veux juste... avoir une... une idée, quoi. Ok ? Oh là là, wow, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. En plus, là... Mais attends, parce que là... Moi, le problème, c'est que là, ces pattes, elles sont trop... J'aurais dû faire le dessin plus haut, là. Je recommence ou pas? Vas-y, attends, je recommence. Vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais refaire exactement la même chose, un poil plus haut. Vous inquiétez pas, hein. J'ai 20 minutes, le chrono est bien affiché, oui. Ok. Ok, on repart ici. Okay, là on a une pique vite fait, tac tac. Ok. Piloutri, ne juge pas trop. Sois pas trop. Parce que là ce que je fais, c'est un truc de malade. Je suis vraiment un gros con de faire un truc pareil. Je suis vraiment un gros con. Je me sens incapable de lire le chat. Le torse viendrait ici. Ouais, tu sais quoi, allez, on va continuer les trucs bien grossiers. Ici, il va y avoir les deux petits bras. Putain, il y a des bras de T-Rex devant, quoi. Il y a des bras T-Rex devant, donc les bras viendront ici, genre, tuc-tuc. Il y a un autre bras derrière. On va partir sur le gros du torse. Il y a une sorte d'armature ici. Vous allez voir, hein, après ça ira. Le début, ça va être un gros carnage. Le plus dur, c'est le début d'un dessin. Voilà. On dirait ici, il y a la forme comme ça, là. Là, ça redescend. Là, ça va remonter pour la queue. Et puis, c'est la queue.
Si, il va y avoir les cuisses, genre. En plus, elle se tient... C'est pas beau, l'image, elle se tient pas bien sur l'image, j'aime pas. T'as cadré ton dessin comme un chef. En dessous, c'est pas mon dessin. Dangereux de faire un dessin comme ça, grave. Dessiner un T-Rex, au pire. Moi, je suis chaud. Très chaud, dessiner un T-Rex. Très, très chaud. Mais en vrai, là, non. J'aime bien Alien et j'ai envie de faire un Alien. Bon, la structure de son crâne, ça va être un gros, gros délire aussi. Oh, la musique va très fort, d'ailleurs. Non, mais je suis vraiment un gros boloss. Je me suis senti capable de faire un... C'est un croquis, genre. Je m'en suis senti capable, genre, vraiment. Mais là, maintenant, je m'en sens plus capable. Je m'en sens pas capable. Aucun sens, la forme de cet alien n'a aucun sens. La forme de cet alien, ça ne fait aucun sens. Biologiquement, c'est un monstre. Oui, mais c'est le thème de dessiner un monstre, oui. Izumi, encore merci pour ton raid. Hein. Merci beaucoup, Di, ça fait plaisir. Je vois que ça se passe bien tes streams, t'es dans une bonne dynamique et tout là, c'est trop cool pour toi Izumi, c'est trop cool pour toi. C'est encore un peu flou, ouais c'est encore un peu flou. Si je mets mes points là, c'est plus flou là, hein? Ouais, on tient quelque chose dans la forme. Le cucu la tête. Où qu'il est lui. Des gros cœurs, des gros cœurs, des gros cœurs. Mais c'est trop bien. Je t'ai dit, la cam que t'as mis, ça va juste booster. Ça va juste booster. Mais c'est un jouet. C'est une image de jouet que je suis occupé de dessiner. Je vois les... Sur le genou, on voit le truc pour plier. C'est un jouet, les amis. Oh, c'est trop cool comme jouet, ça. C'est trop cool. Faut ça, moi. J'achète ça, moi. Ah ouais, je vois les... sur les bras, les trucs pour le plier et tout. Ça va pas m'aider, ça. Parce que ça ne fait pas sens, quoi. Ça ne fait pas sens, avec ces petites mains, là. Je sais pas, mes petites mains, je sais pas comment faire. Bon, il y a de l'impro, il y a de l'impro dedans, je vous le dis, parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Bon, maintenant 13 minutes. Petite pensée positive, vous êtes tous des artistes. Ah, cœur sur vous à la filouterie, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Tu verras, on va regarder les dessins de tout le monde. À mon avis, il y aura des monstres un petit peu plus mignons que le mien. Mais il y a des gens qui ont du talent, hein. Vraiment, il y a des gens qui ont du talent et c'est trop cool. Là, je commence un peu le détail, mais c'est pour me familiariser un petit peu avec la créature qu'elle peut être. Je sais que là, ça ressemble pas à grand chose pour vous, mais ne vous inquiétez pas, je suis au courant. En 12 minutes. Mais je vous le dis, je tiens quand même quelque chose. Vraiment, je sens que je tiens quelque chose. Ce sera moche, quoi qu'il arrive, parce que c'est... D'ailleurs, ce bras-là, hein. Ce bras-là, ça va pas. Hein. Parce qu'il y en a un autre derrière, mais je vois pas comment le caler, l'autre derrière.
fait, si je le commence ici déjà. Bon, horrible comme créature. Les mains, c'est pas ça, hein. Les patounes, là. Les patounes, c'est pas trop ça, là. Hein. Genre, c'est quoi ce que j'ai fait, là? De toute façon, c'est un défi, hein. C'est un défi que je me lance aussi, et je trouve ça plutôt cool, en vrai. Je trouve ça même plutôt très, très cool. J'étais le crayon. Il y a des mains de femme, ton truc. Parce qu'il est comme ça. Ouais, en plus. Ah, ça va. Mais c'est... C'est vrai que c'est des... C'est... Regarde. Tu sais quoi? Vas-y. T'as dit ça? Vas-y, je prends au sérieux. Je t'ai entendu. C'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux ce que je suis occupé de lui faire là, mais. Je suis pas sûr du tout. Moins de 10 minutes. Après moi, c'est moins ambitieux que Sora. Ouais, j'avoue. Gérald, il est très très chaud au niveau dessin. Il est très très chaud. Je relis des messages que j'ai vus plus haut, en fait, qui ont été dit il y a 20 minutes. Qu'elle va feu parler comme ça là avec ce que je fais. Faut que j'agrandisse un peu ça. C'est compliqué de faire sa gueule. C'est compliqué de faire ça bien. C'est compliqué de faire ça bien.
Bon, je vais un peu laisser la tête tranquille. Sinon, on va jamais faire le reste. Elle a vraiment 5. Ah ouais, elle a 5 doigts sur les grandes mains. Sur sa main classique, on va dire. Il y a des trous dans ses articulations, c'est dégueulasse. R, son corps. Attends, comment je fais ça, moi? Des mains un peu squelettiques, genre, mais c'est compliqué. Ça ressemble à R, sa main. Ça ressemble à R. T'as fini? Il reste 4 minutes. Ok, il reste 4 minutes. Faut que j'arrête. Faut que j'y aille. Je vais y aller. Hein, on va couper le stream. Je dois y aller là. GG, si t'as fini, j'ai hâte de voir ce que tu nous as concocté, très cher Gérald. Qu'est-ce que je fais là? Je m'emballe. J'ai voulu aller vite, je me suis emballé. Et... ouais, bah écoute, c'est bon là, de toute façon. Bon. Comment ça va ressembler à rien. Là, je regarde même pas en vision de globale à quoi ça ressemble. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée de la vision globale du truc. C'est pas... ça semble pas dingue-dingue, hein. Ce que je suis occupé de faire, là. Le problème, c'est que son genou, il vient là, et puis t'as l'arrière de sa jambe qui revient ici, mais que... bon, j'aurais pas ses pattes. Ça me dérange pas tant que ça de pas devoir faire ses pattes, je vous cache pas. Tant pis. En plus, sur le... c'est pas... vous voyez pas ses pattes, mais... je sais pas si elles sont vraiment comme ça dans le film. Alors la queue, elle vient comme ça. Deux minutes, il reste 2 minutes. 2 minutes. Ouais, mais de toute façon, on savait, hein, c'était... c'était un pari compliqué, hein. Dire que le prochain dessin, je vais le faire tout aussi compliqué. Je sais pas comment faire les os là. Sa queue, c'est en mode os quoi. C'est comment, comme ça genre. Une minute. Oh super. J'ai regardé il y a 10 secondes pour moi, tu sais, mais.
Non mais la queue c'est dead. La queue c'est dead. La queue c'est dead. De toute façon tout c'est dead. J'ai déconné. J'en tremble les gars, je tremble. Il manque un bras. Il manque un putain de bras. Putain de bras qui vient ici. Comme ça. Vous criez dans le chat quand c'est fini, hein. J'ai une crampe à la main et tout, je vous jure, j'ai une crampe, je suis pas bien. C'est honteux. C'est honteux. Stop, c'est stop, non. Oh. Bordel. J'ai mal à l'épaule. Izumi, bon appétit, encore merci pour ton raid. Et désolé, hein, du coup, j'ai pas beaucoup discuté une fois que j'ai lancé le dessin. Mais des bisous, Izumi. Prends soin de toi, hein, ça va? Ciao, ciao. Hein. Ah. Ah. N'allez pas vous spoiler sur Discord, attendez que je montre tous les dessins. Hein? Évidemment, arrêtez tous ceux qui dessinent. Hein. Arrêtez, hein. Ah, Renaud Codu, je savais pas que t'étais parti. À quand le stream Marble? Pas maintenant, en tout cas. Je sais pas encore quand. Là, j'ai trouvé une feuille, mais j'ai pas trop eu le temps de finir mon dessin. 20 minutes, c'est pas assez pour moi. Mais c'était pas assez pour moi non plus. Hein. Bon. Bah, vous en pensez quoi, là, déjà, du mien? Je vais regarder les dessins de tous les autres, mais pour l'instant, du mien. J'ouvre la fenêtre, j'arrive. Évidemment... Je n'avais bien évidemment pas assez de temps. Hein, je n'avais bien sûr pas assez de temps. Mais voilà. Je suis content parce que ça montre un peu... Ouais, j'aurais pu arriver à un truc satisfaisant, je pense. Je suis déjà satisfait un peu. J'aime bien déjà un peu la gueule que ça a. Après, les proportions, les trucs, c'est un peu chelou. Hein. Il y a des trucs très chelous. Il manque énormément, énormément de détails, ça c'est sûr. Mais globalement, je m'attendais pas spécialement à mieux, quoi. Petit Guy, comment vas-tu? Ça va en vrai? Ah ouais? Trop bien. Honnêtement, c'est pas simple comme dessin, tu t'es quand même bien débrouillé. Merci Gérald, merci beaucoup. Merci, merci. Moi, je suis pas un dessinateur. Hein. Moi, de base, je dessine pas, quoi. Donc voilà, donc... Je sais que certains vont dire, bah, c'est pas ouf, ça. Hein. Mais pour moi, c'est ouf. Donc voilà, ça, c'était le mien. Le petit xénomorphe, la queen alien. Hein, normalement, vous connaissez. On va aller regarder un petit peu les dessins des gens. J'espère que vous avez partagé sur Discord. Je vais d'abord tous les ouvrir. Hop, je vais tous les ouvrir. Et puis... Ah, Pandamas! Pandamas, tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Voilà, déjà, j'aime bien ce que je vois. J'essaie de pas trop les regarder pour pas trop me spoiler, mais je suis obligé de les ouvrir. Pour les avoir en grand, pour vous montrer à vous, bien sûr. Hop. Hop, j'essaie de pas... Hop. Yep. Hop. C'est cool, on a quelques dessins, ça me plaît. Ça me plaît, on a quelques dessins, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. J'étais pas là. Nos codus qui a envoyé une photo d'une feuille blanche. Serpoletta! Ok. Et ma pipou en dernier, c'est ça ici? Oui, il y en a plus derrière, hein, je pense. Trop bien, ok. Ok, ok. Bah écoute, Panda, moi ça va très bien. Ça va très très bien. Regardez, alors là, c'est pas un viewer qui a dessiné. Hein. Regardez mon alien. Regardez le genre de dessin qu'on peut faire de la reine. Il est trop stylé. C'est pas le même level. Hein. J'aime bien la transition. Attendez, je vais le refaire encore une fois. J'aime bien la transition. Écoute, ça va, petit Guy. Je suis bien, je suis en détente aujourd'hui. J'ai besoin de me détendre, donc c'est cool. Ah, j'aime bien qu'on voit le dessin qui change. Bref, je vais retourner sur cette scène. Et on va regarder vos dessins à vous, les amis. Ça va? Je trouve que c'est mieux qu'une maison avec tes yeux.
Gollum fan de Batacha. Le thème était créature, monstre. Inventé ou pas inventé. C'est trop bien. Mais attends, tu lui as fait un peu de beubard et tu l'as mis mes lunettes. Attends, mais ça c'est Gérald, non? C'est Gérald, hein, je pense. Ouais, c'est d'office. Je reconnais la couleur de la feuille. Il est trop cool. Il est trop cool. C'est Gollum. C'est Gollum. Gérald, GG. J'adore les yeux. Il a l'air gentil. Hein. Il est un peu plus mignon que le vrai Gollum. Hein. Donc là-dessus, réalisme pas ouf ouf. Après, il est peut-être un peu plus mignon parce que tu l'as mixé avec moi. Donc forcément, il devient un peu BG, quoi. Là, on va pas se le cacher. Donc GG à toi, très cher Gérald. J'aime beaucoup. Le chat, dites-nous aussi ce que vous pensez des dessins des autres. Hein. Ok? Celui-là. Ah, Panda. C'est bien, il a signé. Il est stylé. Il s'est coupé le bras lui-même? C'est trop stylé, Panda. Il me fait penser un peu à un Pokémon. Mais c'est pas... Enfin, je pense pas que c'est un Pokémon, mais il me fait un peu penser à un Pokémon. Ça vient d'un univers qui est connu ou tu l'as inventé toi-même? Et pourquoi il s'est coupé une main? BG Gollum, BG... Gérald, t'es tellement le bro. Inventé? Putain, il est chouette. Tu vois, c'est cool. C'est vrai que j'aurais peut-être dû inventer une créature. J'aurais peut-être dû inventer une créature, parce que inventer, c'est chouette, j'aime bien. Regardez ça, ça pourrait être un Pokémon, franchement. Bon, le Pokémon, il va pas se couper le bras, tu vois, mais... Mais bon. Bien joué, Panda. J'aime bien, j'aime bien. Ouh. C'est quoi? C'est Jojo Gaming, là? Attends, Myrt. J'arrive pas... C'est Jojo Gaming, c'est toi, ça? Ah bah oui, en plus, t'as parlé de Yu-Gi-Oh! Tout à l'heure. C'est le dragon blanc, argenté, comme, je sais plus comment il s'appelle. Il est stylé. Il est stylé. Il est grave cool. J'aime bien. On reconnaît direct, hein. T'as vu, j'ai reconnu direct, je me suis pas trompé, hein. Non, franchement, il est cool. Ton dessin, c'est le plus beau. C'est parce qu'il n'y a pas de dessin. C'est une citrouille. Quoi? Toi, c'est une citrouille? Ah, ouais. Avec ça, j'ai pas pensé du tout que c'était une citrouille. Mais quand tu regardes la bouche, effectivement. Bien joué, Jojo. Dragon blanc aux yeux bleus, c'est donc ça. Mon lait chocolat n'est pas froid encore. Ma! Moi, j'ai pas... J'ai envie d'un chocolat chaud, moi. Mais bon, après, je vais chez Artium. Je suis persuadé qu'il y aura quelque chose pour moi. Oh! Ah merde, je peux pas tourner l'image, ici? Y a pas moyen de tourner l'image. Faudrait que je l'enregistre. Si là, je clique. Je peux la tourner, non? Waouh! C'est qui ça? Attendez, faut pas vous spoiler les autres. C'est Monsieur K. Monstre créé par moi-même. Il est cool! Il est cool, il est cool! Monsieur K, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien sa gueule. On dirait presque un masque. Tu sais, un peu comme dans Crash. Tu vois les jeux Crash, Bandicoot. On dirait presque un masque. Sauf quand tu regardes le détail, tu vois que ça, c'est sa gueule qui est ouverte. Enfin, j'aime bien, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Bien joué, Monsieur K. Ça, c'est Guerillo. Qu'est-ce qu'il a fait sur ça? Il a... Regardez comment il attaque les feuilles, là. Pourquoi il a fait ça? Par contre, c'est trop stylé et ça me parle un peu. Donc déjà, c'est une créature qui bouffe des grenouilles. C'est violent, c'est très violent. Ça vient de quoi, Guerillo? Il y a un côté Venom. Et là, on dirait qu'il a une sacoche grenouille. On dirait ça, c'est une lanière. C'est trop stylé, regardez la grenouille qu'il a en main, là, c'est trop bien fait. C'est un skin Fortnite? Putain, j'aurais dû m'en douter. J'aurais tellement dû m'en douter. Gosier de Fortnite, il est stylé. Il est grave cool. Il fait penser à Venom. Enfin, je l'ai pas vu en vrai, mais là, comme ça, tu vois, les yeux un peu, tu vois, j'aime bien. GG, et les grenouilles sont bien faites. Elles sont bien foutues, les grenouilles. En vrai, les grenouilles sont... C'est con, mais... ouais, elle est bien faite, j'aime bien. GG, Guerillo, bien joué. Au début, je voulais faire celui-là, mais avec les trois fusionnés ensemble. Ah ouais, mais là, tout de suite, c'est quand même un peu plus gros comme dessin. Là, j'ai refermé ma fenêtre. Hein. Ça, c'est Serpoletta. C'est trop classe. Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? C'est trop stylé. Je sais pas du tout d'où ça vient, tiens. Mais il est... C'est un skin de Fortnite aussi ou pas? Ici, ce skin... hein? Fortnite? C'est Genshin? Ah, peut-être, je sais pas. Mais c'est grave cool. Tu sens l'élégance dans le mouvement, là, tu vois? J'aime bien. Ah, c'est Genshin. Gérald a reconnu, il a eu l'œil. S comme Serpoletta, bien sûr. Un petit... Oh, merde.
Serpoletta. Ah, on voit le clavier derrière. Serpoletta. Est-ce que tu as Serpentard? Ah non, en anglais. Silverain? Attends. Le mot Serpentard en anglais, Poudlard, enfin, de Harry Potter. Moi, je sais pas, bref. Très, très cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. T'as du talent, Serpoletta. Slytherin. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ok, ok. C'est bien vu, les gars. 20 minutes, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable, en 20 minutes, c'est incroyable. Mais quand t'as que 20 minutes, on est plus... on y va un peu plus fort dans les dessins, un peu plus cash. Du coup, on ose, tu vois. Je pense que ça aide, le temps. Bien joué, en tout cas. Et le dernier, ma pipou. Je crois qu'il n'y en a plus d'autres après, j'irai vérifier. Ça, on connaît, on reconnaît. Il est quali. Il est hyper quali. Très simple et très, très efficace dans les traits. Je sais plus comment on les appelle, hein. Mais c'est dans les Simpsons, bien sûr, les extraterrestres des Simpsons. Ils ont des noms, hein. Ils ont des noms, hein. Il est trop cool. Attends, Jojo dit. Oh putain, la pub qui est immense. C'est la taille de ma caméra, la pub, là. Marvel, virement, hein. Virement, Marvel. Que de connaisseurs ici, non, mais c'est... De connaisseurs ou de talents? Des talents qu'on a ici. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai refermé ma fenêtre, j'ai nouveau... J'avais chaud, maintenant j'ai froid. J'aurais même pas eu la vie d'Artium et de la filouterie dans le chat, là. Prochain dessine de l'argent. Quoi? De l'âge... Dessiner de l'argent? Non. Connaisseur... Ah oui, pour Harry Potter. Oui, c'est vrai. Oui, pardon. C'est vrai. Ma pipou qui sait soi-disant pas dessiner, qui dessine mieux que moi. Ouais, c'est ça, quoi. Il a fait genre, ma pipou. Hein. Il a fait genre. Hein. Et mon petit dessin, à moi. Voilà. Je l'aime bien. C'est combien de temps de VOD? Une demi-heure. Alors... Là, maintenant, pour le prochain dessin, un petit défi assez simple. Ah, attendez, je vais juste choper l'image. C'est assez simple. Mais ça va être... ça va être marrant. D'accord. Ah merde, c'est pas une vraie image, je peux pas la choper. Attendez. Je la chope ici, et comme ça, je pourrais l'agrandir comme je veux. Bon! Ah, j'ai pas envie de dessiner de l'argent, nos codus. Je me fuck l'argent. L'argent, il est déjà assez dans nos têtes. On va pas dessiner de l'argent, non. C'est recopié en imprimé, je suis une quiche. Attends, t'as décalqué ton dessin? Décalqué, c'est de la triche, hein. Recopier, oui, mais t'as décalqué ton dessin? Donc t'as mis un modèle en dessous de ta feuille et t'as dessiné au-dessus? C'est ça que t'as fait? Ah si c'est ça, c'est nul, hein. On fait pas ça ici. Procrastinate, relistening to the last HB book. Ah non, parce qu'il est trop dark! Mais c'est cool qu'il devienne dark. Harry Potter, c'est crescendo. De plus en plus sombre. De plus en plus dark. Moi j'aime bien. Ça me plaît. Mais c'est triste. Je t'ai envoyé l'original du Gozi en privé, comme ça tu vois la différence avec mon dessin. Je vais regarder. Ah ouais, il est monstrueux, hein. Oh, tu t'es bien démerdé, hein. En vrai, tu t'es bien démerdé. Putain, il est horrible. Il est horrible. Dans l'an, hein. C'est un gros monstre, hein. Ok, attendez, hop. Ah, ma pipou, je vois que tu l'as mis en couleur et tout derrière. C'est chouette, et t'as rajouté la petite bulle, c'est chouette. Tu as du talent. Mais tu triches, là, par contre, hein. Je comprends qu'on a envie de les continuer derrière. Hein. Copier avec un modèle, mais en apprenant un dessin, je suis... Attends. J'ai recopié avec un modèle. Ah oui, ben voilà. En impro, t'es nul. D'accord, je vois. Bon. Le prochain dessin, les amis, on va avoir que 5 minutes. 5 minutes, d'accord. C'est très court. Moi, je vais dessiner Pichu. On va tous avoir 5 minutes. Soit Pikachu, soit Pichu. Soit Raichu. Vous connaissez? 5 minutes. Ça va en vrai. Non? Moi ce sera Pichu, vous faites comme vous voulez. Petit dessin de 5 minutes.
J'en ai marre des Pokémon, hein. J'en avais marre des Pokémon. Hein. Et ben, c'est comme ça ici. C'est comme ça. Hop. Ça va, 5 minutes, même si vous aimez pas Pokémon, ça passera vite. Ça, c'est un dessin plus détente, mais en même temps, 5 minutes, quoi. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez tous vos crayons en main? Est-ce que vous êtes OK? Alors, vous pouvez faire le même que moi, Pichu. Est-ce que je peux pas le... Je peux pas le diriger comme je veux? Je peux juste le monter un peu, ouais, donc... Parce que là, vous voyez pas ses pattes, quoi. Moi, si je fais comme ça... Hop. Bon, vu que vous réagissez énormément, j'imagine que vous êtes prêts. Hein? Moi, j'y vais, hein. 5 minutes, hein. Je me sens tout seul dans le chat. Allez, let's go, moi j'envoie. C'est parti, 5 minutes pour faire un petit Pichu. Ah là là. C'est pas compliqué, mais 5 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Je suis déjà pas trop sûr de sa forme de base, là. Il va être un peu gros, le mien. Personne répond. Ben oui, t'as vu, putain, quoi. Je me suis sorti tellement tout seul. J'étais là, ça y est, vous êtes prêts, les amis? Vent. Mais je sais, peut-être le thème vous saoule, mais moi, j'avais envie de faire un petit dessin de 5 minutes. Et j'ai pas eu le temps de préparer plus que ça, le live. Donc j'ai pris des thèmes que... simples à trouver dans ma tête. Et en même temps, là, c'est 5 minutes, c'est très court. Mais excusez-moi, mais Pichu, là, c'est un petit dessin, hein. En 5 minutes, c'est easy, hein. Je me permets même de gommer, hein. C'est comme ça, on fait beaucoup de dessins. Ça me plaît. Ça me plaît. Chez moi, la tête, elle est déjà pas assez ronde. Elle est trop grosse, sa tête. Elle est trop... Pas trop grosse, elle est trop pastèque. Elle est trop écrasée. Après, bon, je sais aussi que les gens n'ont pas répondu parce qu'ils sont occupés de... dessiner. Ils étaient prêts, le crayon en main. Ils attendaient le chrono. Plus que 3 minutes, les amis. Tous ceux qui dessinent, écrivez un message dans le chat quand on est au bout des 3 minutes. Tous ceux qui dessinent, vous devez écrire un message dans le chat. Faire comprendre que vous avez arrêté. Sa tête est déjà trop... Putain, mais c'est trop flou, là. Il faudrait que je laisse un objet... faudrait que je laisse les objets là, pour que le flou s'arrête. Il s'arrête pas, le flou. Mais la forme de mon Pichu est déjà pas bonne. Mais je peux pas recommencer. Il y en a qui ont déjà terminé, bah oui, j'imagine message. Putain, ça y est, les oreilles, je vais galérer parce que niveau temps, c'est compliqué. Ouais, les oreilles, c'est la loose chez moi.
54 secondes. J'ai pas le time. J'ai pas le time. Je commence par quoi? Je fais quoi? L'oreille, hein? Vite. Jack, qu'est-ce que je fais en dessin aussi grand? 16 secondes? 16 secondes! Je dois encore faire son visage! Oh, les yeux. Oh, au secours, les yeux. Je tremble. Une seconde, les yeux! C'est bon, c'est fini, les amis. J'ai fait le mal, hein, et j'ai pris trop de temps. Je peux pas lui faire deux petites boules, juste deux petites boules dans les yeux, histoire de... Juste deux boules. Est-ce que... Dites-moi oui dans le chat, s'il vous plaît. Je peux faire deux boules pour qu'il ait juste l'air un peu moins flippant. 5 minutes, c'est trop dur. Mais oui, mais je trouvais ça intéressant de tenter quelque chose comme ça. Oui, il y a un oui. Un deuxième oui. OG, c'est un Sims Good, c'est un oui. Il va encore avoir l'air plus con. Ouais, c'est bon. Fini, c'est fini, ouais. Ok pour les yeux, merci. Ça va, voilà. C'est parce que là, c'est pas un petit détail que j'ai rajouté, c'était énorme, là. Bon. Ok. C'est vraiment de la merde. Je suis hyper déçu. C'est pas un Pichu. Tu le vois, t'es là. Ouais, c'est un peu. T'essaies de faire Pikachu. On dirait pas Pichu, tu vois. On dirait pas Pichu. On dirait juste. C'est raté. C'est un échec. C'est un échec. C'est un gros échec. Il est moche le mien. Écoute, moi aussi. On va regarder ça. Je vais tous les ouvrir. Envoyez dans Discord. Hein. Envoyez dans Discord. Mais putain, mais Gérald, mais bordel. Je devrais vous empêcher de dessiner. Hein. C'était qui ça? Jojo, mais il est cool aussi le tien. Envoyez dans le chat, hein, sur le Discord, hein, les amis, dans le salon vos créations, hein, tout le monde. Hein. Vous traînez là. Hein. Je sens qu'il y en a qui continuent de dessiner. Hein. Ah, une petite figurine de... Vous connaissez lui? Salut. Oh putain, ah ouais, la netteté se refait, donc on voit les poussières dessus. Parce qu'il y a de la poussière dessus, on voit la poussière, quoi. Ah, les caméras de qualité, bien sûr. J'arrive pas à cadrer. Ah, fuck. Erisandre, évidemment. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envoyé? Ouais, Nocodus, Serpoletta, Mapipou, Monsieur K. Ok, cool, je les ouvre tous. Soyez patient, essayez de ne pas regarder trop ceux des autres pour l'instant, même si vous le faites, évidemment, c'est normal. Mais, hop. Je crois que j'ai ouvert deux fois le même, je suis pas sûr. Alors, tout à l'heure, c'est en ouvrant les dessins. Ah, mais vous les voyez! Vous les voyez en petit! Hop! Dégoûté, en fait. Spoiler tout le monde, là. Ok. Attends, d'ailleurs, je vais fermer quelques pages. Hop. Le Gollum, là. Le Gollum. C'est un Pokémon, ça? Non, c'est l'ancien dessin de Serpoletta. Hop, ok. J'ai rajouté le noir dans les yeux et la queue en deux secondes. Ça va, ma pipou, tranquille. Hein. J'ai pas le salon sur mon tel. T'as pas le salon sur ton tel? Comment ça? T'as pas accès au salon, vos créations? Attends, merde, je vous montre. Bon, premier Pikachu. Je rappelle, on avait 5 minutes pour dessiner. Le Pikachu de Gérald. Ah ouais. Il a pas dit, mais il a commencé 10 minutes avant nous. Hein. Hein 10 minutes avant nous, c'est sûr. C'est sûr, Gérald. En vrai, il est trop cool. J'aime beaucoup. Ouh, tu vas au festival de la BD. Oh, let's go. Ah ouais, ça tombe bien, c'est chouette. BD, c'est cool. Gérald, GG. Jojo Gaming. Ça, c'est un petit Raichu. Qui a la pose aussi, la pose classique qu'on lui connaît, hein. Il est cool. Vous savez que de base, Raichu devait avoir une évolution.
et il n'y avait pas assez de place sur la carte de jeu Pokémon que pour que tous les 150 Pokémon aient deux évolutions chacun. C'est pour ça qu'il y en a certains qui n'ont qu'une évolution. C'était par manque de place. Et ouais. Et Raichu devait évoluer en un Pokémon qui ressemble à Raichu, un peu plus gros avec plus de poils, machin. Et il devait avoir le type feu en plus. Et ouais. Ils n'ont jamais ressorti, je sais pas pourquoi. Dommage, hein. J'aime bien en tout cas. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, tu le reconnais? Bah oui, on le reconnaît quand même. Alors, ça, c'est qui ça? Je remonte vite pour pas spoil. C'est Monsieur K. Il est cool, Pichu. Tu vois, là, on reconnaît déjà plus Pichu que. Bon. Wow. Je suis vraiment pas fan de mon dessin. Très cool, Monsieur K. GG à toi. Hein. GG à toi. Ah, c'est celui-là que j'ai ouvert deux fois, du coup. Et celui-là... Il est tout mignon, celui-là. Ça, c'est ma pipou, ça, à mon avis, non? Je crois que c'est ma pipou, dans l'ordre. C'est ma pipou, ouais. Il est tout mignon! Ouais, mignon! Alors, j'aurais fait le corps plus petit. J'aurais fait le corps plus petit. Il est où, mon modèle Pichu? Attends. Putain, j'ai encore tous les autres trucs ouverts. J'aurais fait le corps plus petit, là. Tu vois, regarde, comparé à sa tête, le corps. J'aurais fait plus petit. Là, c'est un Pichu, mais qui est grand. Mais il est très cool. J'aime bien. J'aime bien. Ça, c'est Serpoletta, ça, il me semble. Nos pressures. Comment on dit? Nos pressures. Je ne sais pas comment le prononcer. Aucune pression. 5 minutes pour faire ça, aucune pression, bien sûr. Est-ce qu'on a du russe? On a quelque chose, là? C'est du russe, ça? Attention, parce qu'on va pouvoir avoir des informations, là. J'aime bien Serpoletta, il est cool. Je dis ça, mais ça se trouve, c'est pas toi. Ouais, c'est toi. Hein. Ah, c'est ton... planeur, ton... calendrier, ton agenda, ton... J'aime bien, il est cool. Il est très cool. On dirait qu'il a des nageoires, là, en pointe. Il est très cool. Bien joué, Serpo. Il a trop mangé, c'est pour ça? Ok, Jojo. Et ça, c'est qui, ça? Ça, c'est peut-être Nokodu? Est-ce que c'est Nokodu après? C'est Nokodu! D'ailleurs, Nokodu, tu t'appelles Nokode. Nokode sur Discord. Il est cool, Nokodu. J'aime bien. Il est chouette. Bon, il louche un peu vers le dessus. Mais en vrai, moi aussi. Hein, moi aussi, il louche un peu vers le dessus, si tu regardes bien. Je suis pas fier de celui-là. Celui-là, j'ai pas envie de le garder. J'ai envie de le déchirer. Mais on va garder, parce qu'on garde tous les dessins. On n'y jette pas la poubelle. Mais très chouette, les gars. Je fais vite un petit tour encore. Ah, mais Gérald, par contre. Je te paie des cours. Hein. Enfin, je sois mon professeur de dessin. Hein. 5 minutes, il nous fait ça. Il n'y a plus rien après. Oh, il y a Natalia. Il y a Natalia aussi. Mais incroyable, Nata. Mais trop cool. Il est trop cool. J'aime bien dans les yeux le petit reflet. Bien joué, Nata. J'aime bien. On a failli l'oublier. Mais t'as vu, j'ai été vérifié. Je revérifie qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Bien joué, Nata. Il est chouette. Il est très, très chouette. Eh ben écoutez, on va passer au prochain thème, les amis. Ferme tout ça, je me remets là. YouTube, on arrive à une heure de VOD doucement. Hop. Ça roule, Jojo Gaming. Des bisous, merci d'être venu dessiner avec nous. Hein. Bye bye. Bye bye, prends soin de toi. À la prochaine. Eh ben, YouTube, des bisous. On aura fait quoi dans cette VOD? On aura fait, ben, du coup, le Pikachu en 5 minutes. Et on aura fait les créatures, les monstres. En vrai, ça va. Hein. Bon, il n'est pas terminé. Il n'est pas du tout terminé, mais... En vrai, ça va de fou. En le revoyant, je fais, mais en fait, bata, cool. Hein, je suis content. Hein. Ça me saoule car je suis plus à bord. Ouais, mais ça coûte de l'argent, tu sais, ça, Nokodu. Hein? C'est comme ça, c'est pas éternel. C'est pas grave si t'es plus à bord. Tu le resteras peut-être un jour ou l'autre. Ne t'en fais pas, dis. Oh, Panda, il a pas dessiné, Panda. Il a pas fait le Pikachu.
En même temps, c'était dur, hein. De le faire en... C'est, je regarde des photos d'aliens, il faut que j'arrête. C'était dur en 5 minutes. Bon, YouTube. YouTube, des bisous. À la prochaine.